je vais mettre à deux, vous me direz si ça. Et du coup, salut Ray, salut Yong, salut Taz. Alors ce soir, donc c'est Shmups qui teste, qui en gros, comme j'ai marqué, le docteur Kawashira des shoot'em up en fait. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des épreuves, donc des épreuves de précision, des épreuves d'esquive, des trucs comme ça. Et à la fin, ça va donner notre âge des joueurs, quoi. Donc c'était sorti en 2007, je crois, en arcade, avec une compilation de Triangle. En fait, il y a plusieurs jeux, et c'est celui-là qui est fait en carton. Donc voilà. Je vais jouer en solo, mais il y a un mode multi. Et le mode multi, il est rigolo en fait, parce que le principe du mode multi, salut Martellus. Le principe du multi, en fait, c'est que tous les joueurs jouent en même temps et ils peuvent se pousser en fait. Donc ça fait que du coup, quand vous faites des esquives, vous pouvez pousser l'autre dans le décor pour qu'il se crache. Et quand vous tirez dedans, en fait, ça lui fait perdre des points. Et du coup, il y a moins de monde sur les petites battles comme ça, sur les mini-jeux, c'est plutôt sympa. Solo test, game to practice, 2 players versus. On va se mettre en solo, on va rien. Alors, jamais testé, hein, évidemment, hein, comme d'hab. Ok, donc là a priori faut que je pète les tanks. Je peux tuer les vaches aussi. Alors je sais pas trop s'il y a des nouvelles difficultés ou je sais pas comment ça marche. Alors on voit qu'il y a des tanks qui il y a des jauges de tanks qui se remplissent en haut à gauche. Alors par contre, je crois que c'est, je crois qu'il n'y a qu'une seule vie à chaque fois, enfin qu'un seul point de vie à chaque fois. Dès que vous faites toucher, c'est fini. Vous passez au mini-jeu suivant. Oula. Et là, ça commence un petit peu à s'énerver. Voilà. Bah là, normalement, il y a même un leaderboard mondial. Ouais. Il y a un leaderboard mondial parce que d'ailleurs, il y a un site show. Oh merde! Ah non, bah là. Quoi, un site show, d'accord. Donc là, en fait, bah, je sais pas que ça se passait. Là. Get hit. Bonus game, ok, donc faut que je. D'accord, en fait, faut que je fasse une bombe pour récolter le maximum de points, c'est ça? Ok. D'accord, en fait à chaque fois que je vais toucher le boss, ça va. Oula, oh non! Ah mais là mon clavier il est trop long pour la screenshot là. Drop time bombs. Ah merde. Don't shoot the rocket, ok. Ah d'accord, en fait faut que je pète les. Merde. En fait fait que je pète les trucs qui étaient accrochés sur la roquette. Là faut que j'esquive. Bon, pour les esquives, je peux prendre des screenshots et déjà ça de gagner. Ah merde. Je sais pas combien il y a d'épreuves par partie. Ce jeu d'angoisse est possible. Break them all without letting any. D'accord, donc là faut que je casse tout là. Merde, j'ai raté un.
Attends, 1100, d'accord. Oh, j'ai même pas eu 1000 points, il manque 600. Faut que je fasse quoi là? Save the earth, keep it clean, d'accord. Ah merde, d'accord, en fait, fait que je fasse rebondir les canettes dans la. Alors. Oh, 1,98, on va faire tout pourri à 98. Oh, 51, non. Ok, on va quand même marquer le nom, hein, mais. Ah, 51, c'est moche quand même. Bon, bah, j'arrête de te regarder pour les shmups. Désolé, je suis. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Ah d'accord, en fait le fait d'avoir fait des d'accord, le fait d'avoir fait des niveaux, en fait ça me les débloque pour pouvoir les rejouer par la suite quoi. D'accord. Donc en gros voilà, et tous les jeux que j'ai fait là, ils sont débloqués et je peux m'entraîner dessus maintenant. T'as l'interface, elle est quand même dégueulasse. Hein. Il stream Spoons histoire de voir un mec bon. D'accord, et voilà, donc là je peux. Ah non, c'est les challenges en fait, c'est même pas l'entraînement en fait. Enfin, si, ça va être l'entraînement quand même. Bon, c'est reparti. Allez, go. C'est bon, les tanks. Les tanks, je les ai, c'est bon. Hop, on cliche les vaches. J'ai essayé de prendre des screenshots en même temps, mais ça pue un peu, je pense. C'est pas bon ça, ouais. Ouais, j'ai le. Ouais, cool. Ouais, ce serait mieux pour le screenshot, mais. Je vais le prendre histoire de bon. En plus, il est en pas cher en ce moment. Enfin, déjà de base, il est à 5 € et je crois que là, il est à 4, il me semble. Après voilà, c'est vraiment un jeu de 2007 hein, et c'était un jeu bonus entre guillemets, hein, donc c'est pour ça que c'est quand même ultra cheap la réalisation quoi. Dodge everything, ok. Ouah. Ouah. Non. Zut. Yo cirque. Ok, donc là on a dit faut que je pète une ouais, il faut que je pète une bombe au moment où je peux toucher le plus de monde possible. Hein. Donc je vais attendre qu'il me tire dessus. Fermé ou pas, j'en sais rien.
Mais non! Bon, j'ai fait mieux que tout à l'heure, mais... Yeah, j'ai réussi à l'avoir. Ils m'ont pas dit ce qu'il faut que je fasse à dodge. Ah oui, d'accord, c'est le à nouveau le truc. Alors, je sais pas du coup, mais il y a des preuves différentes en fait. J'ai aucune idée. D'ailleurs, il y a un concours actuellement, comme je disais, hein, par rapport au classement, pour déverrouiller l'accès à la bêta de Trysil, je crois, qui vont bientôt publier sur Steam. Bon, mieux que tout à l'heure. Le temps de trouver l'onglet, ouais, bah ouais, mais c'est rien. Oh, super chaud quoi. Et sur la musique, pourquoi? Bah, je sais pas, moi. C'était quoi ça déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, ah non, mais non, non, putain, je sais pas encore. Quel con, j'ai zappé ce que c'était le truc. Je pense que c'est pas la bonne technique. Ah mais... Il y a la zone. Et bon, on va voir comment je vais avoir. Alors un peu moins que tout à l'heure, je pense, mais... T'as raté Malakai en Merciless hier, Firk. Ah, il dit c'est passé, il était difficile. Ouais, la musique, ça, qu'elle est, elle est pas folle. Hein. Ah, je suis pas mal, là. Je suis presque à la moyenne des gens online. Et 31 ans, c'est cool, ça. Maybe you are unlucky, ça s'il te plaît, 31 ans, ça va très bien. Le jeu qui troll sur l'âge, quoi. Le jeu est là pour le miner et le rajeunir. Bah ouais, clairement. Scandale. Et du coup, ça va débloquer. Attends, je vais juste regarder si c'est des challenges ou alors si c'est. Ouais, donc là, c'est vraiment juste pour s'entraîner en fait. C'est pas. Un... Je croyais qu'il y a des challenges avec des trucs, enfin des objectifs à faire, mais a priori non. Quoi. Eh, c'est parti, comment ça? Bordel. Oula. Ah, comme des tirs qui sont pas passés loin là.
De là à dire que j'ai eu de la moule à un certain moment, il n'y a qu'un pas qu'on va pas franchir pour pas être désagréable, mais... Non! Mais du coup, il te le joue en boucle. Kid Game. Score attaque, challenge, machin. Voilà. Ah non, mais attends, il y a du score attaque en tank. Il y a du challenge en tank. Ah non, d'accord, en fait, score attaque, c'est t'as 3 essais. D'accord, en fait, tous les trucs là, t'as 3 essais. Et sinon, t'as qu'un seul essai, en fait, apparemment. Bon, on va refaire du test solo, quoi. Ou alors, si je choisis un niveau, ça fait quoi? 4, 8, 12. D'accord, donc du coup, il y aurait 16 épreuves, apparemment. Ah, mais il y a tank A et tank B en fait. Ah non, mais d'accord, je pouvais choisir mes épreuves en fait. Ok. Moi, je vais absolument pas faire ça, je vais faire au hasard, c'est plus rigolo quoi. Talala, pose miam miam. Ok, d'accord. Un point scénar, hein, pourquoi les tanks qui sont les aliens? Pourquoi qu'un graphiste dont c'est le métier de travailler sur ce jeu? Bah, en fait, c'est un jeu sorti en 2007 et surtout, c'est un jeu qui fait partie d'une compile avec plein de mini-jeux en fait. C'est un jeu qui est sorti en arcade et à la base il était même pas. En fait, c'était une compile qui comportait un jeu principal et ça c'était vraiment juste un bonus en fait. Ils l'ont sorti en disant bon voilà. Et finalement il a bien marché au Japon parce que c'est rigolo à jouer en multi quoi. Ce que j'expliquais tout à l'heure en fait, en multi, tu peux jouer à deux joueurs en versus donc tu fais les mêmes épreuves en même temps et tu peux pousser l'autre en fait. Tu peux pousser l'autre, tu peux tirer dessus pour lui faire perdre des points, etc. Il veut absolument que je fasse l'épreuve des tanks, hein, par contre. Hein, c'est. Bah. Ouais, le sound design, il est. Wow. Après, c'est vrai qu'il est quand même sacrément moche le jeu, hein, ça. Non, non, non. Bah, 53, je crois que c'est mon meilleur score sur ce niveau-là. Ah oui, il l'a fait, je collecte les. Ok. Merde. Ah, c'est bon, 12 000 ce coup-ci. T'as ça avec la musique. Quing, 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 quing. Ok. Bon, je vous avoue que j'ai toujours pas trop compris ce que c'est une nice bomb, hein. J'imagine c'est quand il y a plein de tirs à cancel en même temps. Mais... Ouais, on va mettre ça en l'air. Pourquoi tu stream? T'es pas devant France Romain. Ouais, je pense ça peut. Ok, donc là j'ai eu 10 000 points, je pense, parce que le tir était proche de moi. J'imagine. Ouais, c'est ça, nice bomb en fait, c'est quand t'as les tirs proches de toi. Donc globalement, il faut que j'attende qu'il y ait deux tirs proches et que je pète ma. Eh non, oui, non, bah, François Mani, non, j'ai un peu rien à carrer, hein, ça. Ah, il a pas le même pattern, je m'attendais pas à ça en fait. Waouh!
Ah! Ah! Non, ça va. Il est super sale ce pattern. Celui-là aussi. Oh. C'était pas si mal, mais. Oh, c'est quoi ça? Get the red. Ok. Oula. J'imagine que l'épreuve là, quand vous pouvez pousser votre patte, ça va être assez rigolo. Perfect. Qui cune le plus entre bestioles sur stick? Ledge everything, ok. Je suis très triste. Je suis très très triste pour ce qui vient de se passer. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup beaucoup plus de points du coup, mais... C'est si on m'avait expliqué qu'il fallait que j'esquive la plateforme sur laquelle on va me faire apparaître, hein, je me serais déplacé quoi. Oh, c'est quoi ça? Ah, il faut arrêter les météores là. Merde, il y en a qui passait. Ah mais non, mais là il y en a trop là. C'est comme des enfouettes pas avoir mis de tir automatique pour certains mini-jeux quoi. Ah, j'en ai raté un. Dodge it everything. Ah non mais. Mais non il... Ah celui-là je l'aime pas, à chaque fois je me fais avoir. Je sais pas pourquoi là j'ai plein de. J'ai plein de stages alors que tout à l'heure j'en ai eu moins. J'étais super bien et là je me suis complètement trouvé sur la fin quoi. Bordel. Les dinosaures sont morts par à cause de moi. Ah, je suis désolé pour les dinosaures. Ah, je me suis amélioré, mais là je suis dégoûté, j'ai fait n'importe la fin quoi. Quel kit musical. La marche des bisous, non. Bon, après, de toute façon, je vais pas non plus streamer trop longtemps ce jeu. Hein. Je pense qu'on aurait vite fait le tour des épreuves quand même. Le son, regarde-le, juste se prendre la tête dans les mains avec un air d'espéré. Ok, du coup, ouais, j'ai débloqué le challenge. Il y a Blood Touch B. Et le metteur. Bravo, monsieur, ne supporte pas son pays à la télé, bravo. Bon, vraiment le niveau 1 c'est toujours les tanks. Hein. Et pour les tanks, vous voyez par contre il y a un out of fire.
Oula, wow. Non. Ah, j'aurais pas dû faire ça, je sais. Mais... Et j'y arriverai jamais à celui-là, c'est pas possible. Hein. Sinon, j'aime bien le fait qu'il te mette toujours les contrôles à gauche, quoi. Si jamais t'oublies. Ouais, j'espère que je suis assez proche des deux boulettes en bas, là, mais peut-être pas en fait. Hein. Ouais, si. Hein. C'est bon, ça a 20 000 points là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as plus ces 4 boutons Non, faut bourrer le bouton. Oh! J'ai oublié qu'il faisait comme ça, ça. À la limite, tu peux bourrer sur deux boutons, ça aide à tirer plus vite, quoi. Bah, merci pour le follow. Je ne m'attendais pas à ça. Du peeling infini, ouais, c'est un peu l'idée. Ouais. Ok, donc là faut que je chope les rouges. Ouh là là. Ok, c'est bon. Je sais pas si je vais utiliser deux des quatre boutons. Bah bon, surtout que ça sert à rien d'utiliser plus quoi. Là j'ai vérifié. Hop là, ce coup-ci je me fais pas troller. Caméra random, c'est assez violent pour l'esquive. Non. Putain, pourquoi j'ai voulu faire un screenshot, je suis trop con. À quel moment je me suis dit tiens je vais faire un screenshot sur un truc d'esquive quoi. Ok, bonus game. Bon en celui-là il y a moyen de faire plein de points mais ah, j'espère que j'aurai les 4 en 10 000. Hein. Ah non, c'est des 1100. Ah, j'en ai eu qu'un seul en 10 000, hein, je suis déçu. Je suis déçu. J'aurais dû attendre un poil plus longtemps. Ok, les météores. En fait, je crois que je vais aller rebind les touches quand. Tu vois, comme je joue au stick, c'est. Les boutons ils sont pas côte à côte quoi. Si vous avez l'impression que je laisse passer tous les astéroïdes à gauche, c'est pas faux. « 72, c'est cool ça.
faudrait utiliser 3-4 boutons en bas. Ok, donc quand ça brille, faut que je shoot. C'est troll. Je l'ai pas vu celui-là. Allez, ça donne quoi ce coup-ci? Oh, le building dodge à 1-9. Oh oui! Et voilà! Eh, 25 ans, c'est pas classe ça? Et je suis au-dessus de la moyenne. Alors. Ah si, sinon je pourrais peut-être tapoter avec le bouton là-haut, mais 25 ans, ça reste vieux. C'est vrai, play. Non, en fait, d'accord, on peut pas rebind, ok, très bien. Bon, ok. ok, on peut pas rebind, Du coup, j'en ai combien? J'en ai 2. 4, 6, 8, 10, 11. Ouais, en fait, faut juste que je fasse ça. Take down, l'autre, ça fait de mise. Ah, cool! Ça fait plaisir celui-là. Oh non! Quel con. Ah, c'est complet de rebind, pardon. Ah oui, attends. Merde, non, zut. Mais putain, comment on l'évite ça? Je le vois même pas. Alors, faut que je mette vers le centre de l'écran pour tirer, comme ça, quand ils arrivent, je les vois. Alors, on va dire que c'est ça, quoi, parce que... J'avais eu 20 000, c'est con, j'aurais dû rester à faire 20 000, non, la vache. Je suis à 25 ans aussi, d'accord. Bah après, le truc, c'est qu'il y a moyen de baisser, mais il faut connaître les mini-jeux avant, quoi.
Ça, vous entendez pas trop le stick arcade d'ailleurs aussi. Non! Nul. Ah, c'est quoi celui-là? Hold out. Je le sens mal. Du coup le streamer, le stick coûte ça. Ok, c'est reparti. Ah mais sérieusement, les mouvements de caméra, c'est infâme quoi, tu sais pas ce qui va se passer quoi. C'est limite de la moule quoi, le dodge quoi, ça bouge tellement dans tous les sens que... Allez, on va essayer de faire une bombe moins avec 2 ou 3 à hein, 10 000 non. Ah putain, je l'ai mis un peu trop tôt. Je pense que la grappe de 2 elle est pas en 10 000 quoi. Ah, il pas. Ah si, il y en a un entre les deux qui est en 10 000, dommage. Ah, j'aurais attendu un tout petit peu plus là, j'en ai 3 en 10 000. Dommage. Dommage, dommage. C'est quoi ça? Le mode, le cheating. Ah oui. Ah, celui-là il est dur. Ah mais non, mais du coup voilà, en tapotant comme un gros bœuf tous les boutons, ça marche vachement bien. Pas si mal. C'est épuisant pour la main, sans déconner. Ouais, voilà, mon préféré. Mais vas-y, mais ta mère, là, je... Bref. C'est ceux-là les plus vicieux, ceux qui rebondissent contre la poubelle et qui reviennent à... qui du coup reviennent sur vous quoi. Oh.
Le point maman attend. Pourquoi le point? Ah oui. Putain, il y en a encore certains que j'ai foiré, je suis dégoûté. Genre le truc, le dodge everything là, avec les tirs qui arrivent, ils vont juste trop vite quoi. Chaque fois je me fais avoir quoi. Bah dodging j'ai 1 quoi, c'est tellement naze. 4,43. J'avais fait plus tout à l'heure. Hein. Alors 4,43 c'est mieux que tout à l'heure. Mais en fait, à ce coup, c'est comme Dr. Kawashima en fait, c'est 25 le minimum et après quoi que tu fasses, tu peux pas descendre en dessous quoi. Ok, donc j'ai débloqué ça, j'ai débloqué ça. Mais du coup, ils étaient déjà là-dedans ou pas? Oui, je les ai débloqués encore en plus. Ah, donc là, il y a vraiment tout là, donc 4, 8, 12, 16, d'accord. Ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu, 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 on l'a vu. On a pas vu le tank B je crois. 8. Ok donc du coup là on a vu toutes les épreuves sauf le tank B en fait. A priori. Peut-être qu'il y a un succès si on tue pas les vaches en fait, je suis en train de me dire. Ah non mais là je suis pas obligé de tapoter les tanks, j'ai oublié un auto-shot dessus. Là je trouve ça super sale qu'il l'ait mis que pour l'épreuve des tanks et pas pour les autres. Non seulement il tire de plus en plus, mais il tire surtout de plus en plus vite quoi. Bon bah c'est cool, j'étais jamais là aussi loin dans les tanks là. 65 c'est pas mal. Je pense. Allez on se craque pas, on fait une belle run. Ah bah du coup... Ah non c'était quoi ça? Ah non mais ça c'est les... Si bon, on fait d'accord, c'est les tanks B ça. Yeah! 23 ans? Ah, d'accord, ok, à moins de descendre alors. Ouais, je suis sur une bonne game là pour l'instant. Les deux premiers niveaux se sont bien passés. Mais c'est ça en fait, faut vraiment bourrer comme un âne les boutons. Hein. Ah non, mais pourquoi j'ai fait comme ça, nul? Bah, j'en aurai un en 10 000, j'espère là. Voilà, mais putain, tout à l'heure j'ai réussi à en avoir un 2 en 10 000 sur le premier niveau. J'aurais dû attendre un petit peu plus, quoi, tant pis. Voilà, c'est probablement mon dernier essai. Hein. Dernier ou avant-dernier, on va dire. Suivant comment le reste va se passer. Oh non! Ah j'aime pas ce niveau là. Ça il est pas évident. Oh j'ai pas décroché l'autre. Là je vais pas avoir le temps du coup.
Mais pu... Pourquoi ça va pas décrocher pour... Chier. Bon bah du coup j'étais bien parti, il y avait assez mieux que finalement. Dommage. Là j'ai des premiers niveaux, étaient bien faits là et... Et là j'ai fait n'importe. Mais la fusée je trouve ça super chiant parce qu'elle tourne et c'est pas évident de taper les charges quand j'ai réussi tout à l'heure mais... Déjà tout à l'heure quand je tirais des fois je pensais toucher les charges et finalement je touchais la fusée. C'est un peu tendu là. Le jeu qui me dit nice parce qu'il essaie de me troller un moment. Hein. Je suis d'autant plus dégoûté d'avoir raté l'épreuve avec, avec le boss en fait. Que normalement je réussis bien. Oh, j'ai dit. D'accord, ok, donc il y a une fin en fait à chaque niveau finalement. Si vous atteignez le niveau 100, il y a la fin du niveau. Allez, on y croit. Putain, je suis dégoûté d'avoir raté les autres épreuves. Ah putain, puis j'ai raté la. J'ai raté aussi la fusée, j'avais oublié. Ah, c'est vraiment con. Pas si mal, à moins de faire mieux, mais bon. Pas si mal quand même. Ah oui, le metteur. Allez, c'est parti. Merde, j'ai raté. Non! En fait, j'aurais plus en laissé tomber finalement, quoi. Ah bon, alors là, on va essayer de. Ok, donc c'est ça en fait, fait le rang. Celui qui détruit le stick le plus vite. Ah mais d'où il est sorti celui-là, il était dedans. Pfff la vache.
Ah ta. On s'accalme, on s'accalme, on s'accalme. Hop, oh, ta. Yo Morcar, comment ça? Ça fait longtemps, dis donc. Allez, ça donne quoi là? C'est vraiment dommage que j'avais foiré certains de mes jeux là. Ah, il y en a où j'ai bien cartonné, mais ouais, Bullet Dodge 06 quoi. Oh, c'est tellement naze quoi. Eh, 22 ans! Yeah! Mais c'est con parce que vous voyez là, sur le graphique Bullet Dodge, j'ai eu 06 quoi. Putain. J'ai pu faire tellement mieux quoi. C'est vraiment dommage. Vraiment vraiment dommage quoi. Allez, j'en fais une dernière. La dernière, j'arrête parce que j'ai mal à la main. Je suis venu voir cette bizarrerie, ouais. Bah c'est complètement ça, hein, donc ouais, franchement, il y a... je peux pas dire mieux que c'est le WarioWare du ou le Dr Kawashima du Shoot'em Up quoi. C'est plein de mini-jeux en fait qui s'enchaînent et donc dans le mini-jeu là, il faut que je défonce les ennemis qui vont apparaître. Je pense que celui-là c'est mon préféré en fait, ouais, clairement. Oh là là, j'ai raté tellement d'ennemis là. Ah, mais y'en a qui tirent par. Ouah, y'en a qui tirent par en dessous, j'ai pas vu! Ah, je suis dégoûté! Ah, j'ai merdé là. J'ai pas vu qu'il pouvait tirer quand il sera en bas en fait. Ok, donc là il faut le bourrer dès qu'il clignote, enfin dès qu'il brille. On s'y fait à la musique. Hein. Je dis pas qu'elle est bonne, mais. Allez, donc là j'ai le droit à une bombe. En fait, le principe c'est qu'il va falloir que j'essaie de bomber quand j'ai un tir qui est le plus proche possible de moi. Parce que chaque ennemi et tir me rapporte 1000 points, mais s'ils sont juste à côté de moi, ça rapporte 10 000 en fait. Tant pis, j'ai eu un moment, j'ai une fenêtre où il y en avait deux qui étaient l'un sur l'autre, ça m'aurait fait 20 000, mais tant pis. Tant pis. Voilà, faut le bourrer là, c'est vraiment boss de Dan Macrou. Hein.
Bon, là, je joue au stick, hein, je pense que ça s'entend. Je me suis fait avoir pareil tout à l'heure. Donc les souris là au gameplay de Hostic. D'où le petit, la petite note musicale que tu peux entendre. Donc là il faut que j'arrive à décrocher les charges explosives sans faire exploser la. Sans faire exploser la fusée. J'ai déjà réussi une fois mais. Que c'est assez. Si c'est bon, je l'ai eu. 21 ans, GG Yang. Ok. On va essayer de faire aussi bien qu'avec les. Qu'avec le monde de la lave là. J'y crois pas, mais. Le jeu comme il troll quoi. Il fait genre ça bouge, appuie en arrière, il repart là où il allait. Donc là comme tu peux voir faut que j'esquive les bâtiments. Et le max sur le dodge, immeuble et sphère rouge. Alors les immeubles j'arrive pas, les sphères rouges j'ai eu le max tout à l'heure. Mais les immeubles, pas moyen quoi. Chaque fois je me fais avoir quoi. Du coup, bah là, nouveau niveau bonus, hein, donc toujours pareil avec la bombe, hein, donc j'attends que ça tire pas mal, et puis j'essaie de péter une bombe quand il y aura beaucoup de tirs. Là, par exemple, ça paraît bien. Je pense que les 3-4 autour de moi, je vais avoir du 10 000. Hein. Enfin, j'espère en tout cas. Après, il y a moyen de faire encore mieux. Hein, mais... Ah, les immeubles, c'est horrible. Quoi. Oh. Ah, les immeubles sont bien pires que les sphères rouges, clairement. Ok, les météorites, c'est parti. Alors ce coup-ci, je vais essayer de pas me cracher dans un météorite, hein, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Au pire, je vais laisser la Terre se faire un peu toucher, et puis... C'est bon, la Terre, elle a quand même une bonne barre de vie, donc... Donc je peux en laisser passer, c'est pas trop grave. Le tout c'est de pas mourir quoi, parce que évidemment si vous mourrez vous pouvez plus scorer quoi. À droite là que je peux pas trop avoir voilà. J'ai pris des risques là. Voilà le 87. C'est con j'étais pas mal mais. Yop Elotia comment ça. Voilà, alors ça, faut faire super gaffe. Non! Merde! Je l'ai eu tout à l'heure. Ça dépend, il n'y a qu'un niveau. Il y a le niveau des. Il y a le niveau des tanks où t'es pas obligé.
Mais sinon les autres, ouais, faut bourrer la touche. Hein. Et là, faut vraiment, enfin, faut même bourrer les 4 touches parce que si tu bourres qu'une seule touche, ça tire pas assez rapidement quand même. Ah merde, elle y allait, ça. Ouais, 5 soins de 13, on vient. Ouais, 23 ans. Back. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là-dessus pour Schmux qui le teste. Parce que, ça y est, c'est officiel, j'ai mal à la main. Bah, de toute façon, j'ai débrouillé tous les mini-jeux. On les a tous vus, hein, donc il y en a 16. Ce qui est pas trop mal, on va dire. Et sinon, du coup, il y a du 4 players versus. Alors, je sais pas trop comment ça passe avec 4 players. Je pense que ça va être chacun son tour. Hein. Oh merde. Bah, j'aurais dû essayer de brancher une DMC manette. C'est pas grave. Ah non, c'est en même temps en fait. Hein. Sympa, c'est pas vraiment assez poussé pour faire office de test kill. Ouais, non, mais c'est vraiment du mini-jeu, hein. C'est, enfin, c'est plus du party game à la limite, quoi. Et ce que je disais, en gros, le jeu il a surtout cartonné au Japon en fait parce qu'il est rigolo en versus en fait, quoi. En jouant deux joueurs en versus, c'est vraiment marrant parce que tu peux pousser l'autre en fait et tu peux lui tirer dessus pour lui faire perdre des points, quoi. Donc, du coup, tous les mini-jeux, bah, ils prennent vraiment une autre tournure en fait, quoi. Quand tu peux cracher ton pote dans les murs ou quand tu peux lui tirer dessus pour lui faire perdre des points, c'est tout de suite beaucoup plus rigolo, quoi. Et c'est pour ça qu'il a vraiment bien marché en fait. Pas pour le mode solo qui est marrant vite fait, mais jouer à deux, c'est beaucoup plus fun. J'avais vu une vidéo qui était vraiment sympa. Enfin, tu vois vraiment le potentiel du truc en fait. Voilà. Et eh ben écoutez.